Bonjour, konnichiwa. 今日のビデオはフランス語の勉強ではなくて、だけど、まあ、まず日本語で紹介した後にフランス語で同じことを言いたいと思います。今日はパリの中心のルーブル美術館のすぐそばを歩いています。歴史とアートの息吹を感じる場所ですね。美術館の壮大な建築が目の前に広がり、まさに時間を超えて存在しているような感覚です。この辺りを歩いていると、アートと文化が息づいていることを肌で感じます。観光客も多いですが、それ以上にこの場所自体が一つの芸術作品のように感じられます。ルーブ美術館はもちろん、周囲の風景や街並みも魅力的で、どこを見ても絵になるんです。時間があれば、ぜひルーブルに立ち寄って、名作たちに直接触れてみてください。この場所には何度来ても新しい発見が待っているんです。Aujourd'hui, je me promène dans le centre de Paris, juste à côté du musée du Louvre. C'est un lieu où l'on peut vraiment sentir le souffle de l'histoire et de l'art. L'architecture imposante du musée s'étend devant moi, donnant l'impression qu'il traverse les époques. En marchant dans ces rues, on ressent la présence vivante de l'art et de la culture. Il y a beaucoup de touristes, mais ce lieu lui-même semble être un véritable chef-d'œuvre. Le Louvre, bien sûr, mais aussi les paysages environnants et les rues sont tous fascinants. Chaque coin semble digne d'un tableau. Si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à entrer au Louvre pour découvrir ces chefs-d'œuvre de vos propres yeux. Ce lieu a toujours quelque chose à vous offrir de nouveau.